Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous recevons deux figures emblématiques du prochain MMA GP à Bordeaux. Ce sera le 17 décembre. Le premier fait partie de cette génération de pionniers, c'est Chabane Chaibeddra. Et le deuxième est promis à un grand avenir dans le MMA français. Ibrahim Diallo, bonsoir messieurs. Bonsoir. Pas de timidité aujourd'hui, hein? Non, du tout. Et puis le tour de l'actualité avec notre souriant Sébastien Love. Salut Seb. Salut Lucie. Ce week-end, on a assisté à une collision dans les règles de l'art à l'UFC. Oui, ouais, combat entre Tai Tuivasa et Pavlovich, 54 secondes. Voilà, ça a été très rapide, hein, Pavlovich qui s'impose par KO. Alors Pavlovich, c'est simple, c'est 18 combats, 17 victoires, donc 14 par KO. Donc pour moi, c'était pas une grande surprise. Peut-être éventuellement le temps qu'il a mis à le mettre KO, on s'attendait peut-être à un petit peu plus. Sauf que là, ça a été très rapide. Donc c'était un combat entre le 4e et le 5e au classement. Grâce à cette victoire, Pavlovich passe 3e. Donc on a Francis Ngannou, Ciryl Gane, Miocic, et maintenant Pavlovich et Tai Tuivasa donc descend à la 5e place. Entre ces deux-là s'intercale Blaydes qui pourrait être éventuellement le prochain adversaire de Pavlovich ou alors peut-être de Ciryl Gane, quid de ce futur combat. En tout cas, faut se méfier de Pavlovich, moi je pense que... Ouais, il rentabilise son temps horaire, ça c'est ce qu'on a pu voir effectivement. Il a un revers, c'était contre Overeem, ça date maintenant, et maintenant je vois pas pour le moment qui peut le battre, et même, je vais même plus loin, même Francis... Ça pourrait être compliqué. Très compliqué. Chabane, toi tu les connais les deux, Ciryl Gane et Francis Ngannou, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que... par rapport à ce style de combattant, on a vraiment quelque chose On a un gros client là en fait. On a un gros client. Et du coup, je pense que ça va être un vrai problème pour la catégorie. C'est vrai. Des strikers en plus, c'est très bankable. Ils vont vouloir le faire monter rapidement et ça va être intéressant de voir par la suite qui vont lui proposer. Ouais. Aspinall ou Blaydes, c'est ce qui se dit. Après, on ne sait pas encore. On parle pas encore de titre, mais voilà, je pense un ou deux combats avant d'affronter le champion. Eh bien, ouais, c'est une catégorie où il y a pas mal de roulements en tout cas. De l'autre côté, Stephen Thompson, à la veille de ses 40 ans, qui a montré qu'il en avait encore sous le pied face à un client, Kevin Holland. Oui. Kevin Holland qui a voulu le prendre à son propre jeu, c'était un peu risqué quand même. Hein. C'était l'erreur à ne pas faire. Et comme quoi, à 39 ans, on peut encore être un bon combattant. Ah, c'est bien pour nous, c'est Chabane. Ouais, vous êtes jeune. On est d'actu. Il nous donne de l'espoir, cet homme. Merci Seb, ça nous encourage. Ouais, Thompson, il restait sur 2 défaites. Et puis là, il s'impose contre Kevin Holland. Effectivement, il a voulu le prendre à son propre jeu en strike. C'était pas une bonne idée, puisque là, il s'impose par TKO dans la 4e reprise. C'est bien. Moi, je suis content pour Stephen Thompson. Là, on parle d'un match contre Pereira pour un petit peu, qui se remette un peu, le pied à l'étrier. Bon, comme il restait sur 2 défaites. Et voilà, moi, je pense qu'il peut encore combattre au très haut niveau, encore 2-3 ans, Stephen Thompson. En tout cas, j'ai envie de le voir. Et j'aimerais bien le voir un peu évoluer au sol. On sait que c'est un bon striker. Mais Pereira, justement, ça va peut-être le mettre en difficulté parce que Pereira est un très bon grappleur. Voilà. À voir. TJ Dillashaw également qui a annoncé sa retraite. Ouais, le double champion des poids coqs, ça y est, il arrête. Alors, on savait qu'il avait des blessures récurrentes aux épaules. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Il s'arrête à 36 ans avec un palmarès de 17,5. Moi, l'ombre au tableau, Dillashaw, c'est sa suspension pour dopage. J'ai toujours du mal avec le dopage, donc j'ai pas trop de peine quand un dopé s'arrête finalement, parce que je me dis, mais les combats que t'as gagnés, tu les as gagnés comment? J'ai toujours cette suspicion. On a ce doute. Exactement. Qui fait que est-ce qu'il a gagné par dopage ou non? On est d'accord. Ouais. Donc surtout qu'il a deux fois, hein, il était devenu champion en battant Renan Barão. C'était en 2014. Après, il avait perdu contre Dominick Cruz. Il était revenu. Il avait battu Cory Garbrandt. Mais est-ce qu'il était clean? Donc voilà, il s'en va, il aura marqué l'UFC, mais il y a toujours ce petit point d'interrogation qui, moi, me dérange un petit peu. Chabane, est-ce qu'on peut vraiment se fier à un combattant qui dit qu'il part à la retraite? Je ne pense pas, on voit pas mal de combattants à la retraite. On a eu des surreviennent. Je pense que quand on a ça dans le sang, on n'aime pas le petit train-train quotidien, ça repart très vite. Et alors, justement, Michaël Lebout qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite après son combat face à Amoussou, qu'est-ce que tu en penses? Je connais bien Mika et je pense que lui, il a vraiment ça dans le sang. Du coup, il va s'ennuyer, il va revenir. C'est vrai. Ok, les paris sont pris. Il a chaud pour venir, c'est compliqué, hein, parce que c'est surtout les problèmes d'épaule. Ouais, non, mais il pourrait finir handicapé à un moment. Oui, en plus, c'est ça. Donc, bon. On a eu des cas comme ça de boxeurs qui ont fini handicapés parce qu'ils n'ont pas traité leurs épaules comme il le fallait. En tout cas, la retraite, c'est pas d'actualité pour toi, Chabane, puisque tu seras au programme du MMAGP donc le 17 décembre à Bordeaux. En main event, on aura donc Cédric Doumbé face à Florent Burillon, une carte donc qui est marquée par plusieurs comebacks, le tien, Chabane, mais aussi celui de Maria Casanova. Et oui, Maria du KTP Scola Bastia, l'île de beauté. Donc Maria, bon, moi je la connais personnellement, donc c'est une très bonne combattante, une personne très très gentille également, incroyable. Elle a 9 combats, donc elle a un palmarès négatif, elle a 3 victoires pour 6 défaites, mais malgré ça, elle a marqué de son empreinte le MMA féminin en France. C'est un emblème. Voilà. Elle a fait partie des pionnières. Maria Casanova, elle a disparu des écrans depuis 2017, mais parce que, bon, à un moment donné, la vie fait que, elle a eu des blessures, elle aussi. Elle a été championne de France de pancrace en 2015, donc elle a vraiment fait partie de cette première génération. Et puis surtout, elle a combattu l'élite européenne, Shinette Kavanagh, qui est une star au Bellator. Alors bon, par contre, clairement, elle n'était pas dans la bonne catégorie. Non, non. Et, voilà, ça c'est sûr. Elle a rencontré Mara Borrella qui a été à l'UFC. Pour avoir tourné avec les deux, ce sont des grosses cogneuses. Donc elle a fait des grosses guerres, Maria Casanova. À chaque fois, j'ai envie de dire Maria Sharapova. On n'est pas loin, mais dans un autre sport. Donc c'est très très costaud. Elle a aussi battu à l'époque la numéro 1, Roxane Teixeira. C'était au KFBC à Clichy. Complètement. Ouais. Donc on attend quand même son retour avec impatience. En tout cas, elle a annoncé son objectif, c'est de revenir dans le top 10 féminin français. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Et ça va pas être un gâteau. Eh bien, elle va prendre la brésilienne, Jenny Gotti. Et oui, Jenny qui reste aussi, elle, sur 4 défaites de rang. Par contre, Jenny a combattu donc beaucoup plus récemment, parce que c'était en juin 2022, c'était d'ailleurs au MMA Grand Prix. Elle a 9 combats, elle a également un palmarès négatif de 4 victoires pour 5 défaites. Et ça va être une très belle opposition. Si elle arrive un petit peu, alors, je ne sais pas quel est le game plan qu'a fait Fred Boisjol, hein, son coach au KTP. Mais si elle arrive à être percutante, à ressortir à chaque fois, je pense que ce combat, c'est pour Maria. En plus, ça me ferait plaisir. Eh bien, écoute, on verra bien ça le 17 décembre, ça arrive à grands pas. Et nos deux invités, ce sont les emblèmes de cette soirée. Ils sont très attendus. Chabane et Ibrahim, c'est vous, nos invités Spotlight. Alors tous les deux, vous êtes à peu près de la même génération. D'ailleurs, Chabane, tu as été dans le coin d'Ibrahim. Comment ça se passe maintenant? Du coup, vous allez vous coacher mutuellement? En fait, j'ai repris en fait la place de head coach à Ubi Fight. Donc là, je pense que pour cet événement, je vais être de côté parce que je prépare mon comeback, je prépare mentalement, etc. Mais je vais être à côté, donner les directives, etc. Parce qu'on a un travail. On se construit au fur et à mesure. En fait, on a fait tous nos combats ensemble et pour l'instant, ça marche bien. Des victoires et on espère encore une finition pour Ibra. Ibra, c'est un dur au mal. Mais vraiment, vous imaginez même pas. Et j'ai senti, je lui ai fait la bise tout à l'heure. J'ai senti que c'était. Je peux un autre d'amour. Avec mon expérience, vraiment. Il pose des problèmes et c'est pas facile. Il débute le sport assez tard, mais à 20 ans. Il a 20 ans dans son corps. Ouais. Alors attends, incroyable. Justement, on voulait en parler. Donc toi, tu vas faire ton 3e combat, c'est bien ça? C'est ça. Ouais. Tandis que toi, Chabane, tu vas faire ton 16e combat. Donc là, on est sur, certes, une génération similaire, mais des parcours très différents. Ibrahim, toi, tu as commencé à 29 ans. Pourquoi? C'est une reconversion sportive? Qu'est-ce que tu faisais avant ça? Bah avant ça, j'étais en kickboxing. Voilà, j'en ai fait pendant 2 ans. C'était club de ma boîte, la RATP. D'accord. Avant ça, j'ai fait. Tu travailles à la RATP ? Ouais, je suis agent de sûreté. Il y a des aménagements pour les agents RATP quand on est sportif de haut niveau ? Non, du moins ceux qui ne font pas partie de l'INSEP, non. D'accord, oui. Si on est à l'INSEP, on a l'aménagement. Si on est là, il y a moyen de faire quelque chose. Mais voilà, avant ça, j'ai fait 4 ans de taekwondo. Donc j'ai commencé le sport de combat par taekwondo. J'avais 21 ans à l'époque. Et donc voilà. D'où un striking très explosif, parce que tu es assez spectaculaire. Ouais, taekwondo, ça blague pas, hein. Les prépas physiques, tout ça. En plus, je me souviens à l'époque, c'était un second qui était tout droit sorti de l'armée coréenne. Et lui, il n'était pas là pour blaguer, quoi. Ouais. Si tu venais, comment tu l'appelles déjà? Maître Kang. Maître Kang, ton Shinoshi. Pendalchagi, plus fort qu'un middle? Ah, c'est vrai, mais vraiment, quand il fait le. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font ça, mais. Ouais, c'est très physique le taekwondo. Hein. Très, très physique. Il y a tellement de débit des jambes. Cette image, un peu, c'est l'escrime de jambes. Mais c'est ça, ça rentre. Ouais, mais au niveau puissant, je veux dire, un bon middle taille, c'est pas un Pendalchagi. Oui, mais toi, t'en mets un, il va en mettre 10, c'est ça l'histoire. C'est ça. Et je pense que ça m'a vraiment bien servi parce que jusqu'à présent, j'ai toujours ce truc-là, même dans mes déplacements, même dans ma façon de donner les coups. La gestion de distance, c'est typique, voilà, taekwondoïste. Donc voilà, je pense que dans 10 ans, ce sera pareil, en restant humble. Il y a d'autres taekwondoïstes qui ont percé dans le MMA, qui t'inspirent ? Bah, il y a Yacine Blaydes, hein, d'ailleurs, c'est lui qui m'a un peu engrainé dans le truc. Au début, j'étais sceptique, bon, mais... Il a cerné le potentiel du taekwondo dans le MMA et il t'a dit, tiens, voilà, il m'a dit, vas-y, viens, tu vas voir, ça aide bien. J'étais pas trop pour parce que je savais qu'il y avait du saut, de la lutte, et moi, j'étais plus dans la percussion. Il m'a dit, tu vas voir, tu vas aimer, ça va passer. Donc, je suis arrivé et voilà. Donc, et l'adaptation alors avec la lutte, parce que là on est sur un univers complètement différent quand même. C'est vraiment très différent. Au début j'avais du mal. Ton taekwondo dos au sol, il non, il sert à rien du tout, je confirme. Et en fait, à l'époque, c'était David Baron qui s'occupait du domaine amateur. Un ancien de l'ancien. Et le courant, il est passé tout de suite. Il est passé tout de suite. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait le petit chou. C'est David qui t'a fait ça ? C'est David qui m'a fait ça. Le chou, ah, il a signé. Ah, sacré David. Le saut, il t'a marqué du saut. Ah, mais là, c'est... Lui, je le voyais avec son casque et je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Mais après, j'ai compris... Non, mais tu sais qu'il y a des hommes qui rêvent d'avoir une oreille de chou. Ah bon, bah pour le coup... Non, mais il y a des hommes qui rêvent d'avoir une oreille de chou. Il y en a qui se frottent les oreilles pour l'avoir. Tu ne mesures pas ta chance, Ibrahim. Ton premier combat, tu mets KO ton adversaire. Donc toi aussi, tu rentabilises ton taux horaire comme Sergueï Pavlovich. Une révélation pour toi, mais aussi pour tes concurrents. Et du coup, à cause de ça, tu ne trouves plus d'adversaire. Ouais, à ma grande surprise, c'est très compliqué. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Après, j'ai envie de dire, tant mieux aussi pour moi. Ça me met quand même un petit peu en confiance. Je me dis, OK, je viens de rentrer dans le domaine pro. OK, c'est plein de nouvelles choses, mais grâce à ça, je me suis facilement adapté. Donc voilà, je continue à apprendre de l'expérience. C'est un message aussi que j'envoie à mes futurs adversaires en leur disant que OK, je suis peut-être nouveau, mais je ne suis pas si nouveau que ça. Donc, t'as le background. Voilà, d'ailleurs, l'adversaire tu prends, Yacine Chtatou, c'est un striker. Hein. Ouais, ça, je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu et je pense que ça va être... Une belle guerre. Belle opposition. Parce qu'il est solide hein, mentalement. Il va à la guerre. Il reste sur une défaite. Donc là, je pense qu'il va vouloir forcément... Bah, il va mettre les bouchées doubles. Naturellement, il va mettre les bouchées doubles. Donc moi, je... Ibrahim ne sait pas faire que du striking. Ah oui, bien sûr. Il encore. Et c'est vrai que moi, son premier combat, voilà, j'ai été impressionné par ton premier combat. Tout le monde a été impressionné. Ouais, franchement... C'est idéal pour toi d'avoir un striker en face de toi au MMA GP ? Ouais. Si on te mettait un lutteur, tu... Pour moi, j'ai envie de dire que c'est la même chose, dans le sens où moi, je m'adapte souvent sur le moment présent. Vous voyez je peux avoir un game plan, je peux avoir étudier le profil du fighter avant le combat. Mais dans tous les cas, généralement, ça joue au moment présent. Donc, non, je peux avoir un grappleur, je peux avoir n'importe quel profil. Je sais que je devrais faire gaffe parce qu'il est expérimenté dans ce domaine-là. Mais dans tous les cas, moi, je chercherai à imposer mon jeu. Et j'ai de la chance d'avoir des bons entraîneurs et des bons coéquipiers. Et puis voilà, quoi. Et vous tournez ensemble tous les deux un petit peu ? Donc toi, tu es le head coach, mais tu tournes quand même avec ? Ah, je tourne avec eux. En fait, alors, c'est solide ? Ça donne des grosses guerres ? Ouais, on se fait... En fait, j'ai décidé avec Abdel Kaznadji, donc, qui est fondateur d'ObiFight, de prendre très peu de compétiteurs, vraiment de me concentrer dessus, faire de la qualité. J'ai pas envie d'avoir beaucoup d'athlètes et faire du travail bâclé. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est-à-dire que là, pour l'instant, voilà, là pour l'instant, on a eu un seul rouge. Ouais. Et ça, c'était pas de notre ressort pour le coup, tu vois. C'était qui C'était Morgan. Ah oui. Mais c'était plus par rapport à la perte de poids, etc. Ouais. Et vraiment, on travaille, on est unis. Quand il y en a un qui doit bosser, on est tous là. Le samedi, on va tous courir ensemble. On est vraiment... C'est beau, hein. C'est une belle famille. Franchement, c'est... Non, mais c'est important d'avoir le soutien. Le fait qu'on soit tous ensemble. Ouais. Mais ça, tu le trouveras vraiment quand il y a peu de personnes, en fait. Parce que quand il y a trop de combattants, et ben ça va faire des petits groupes à gauche, à droite, automatiquement. Des clans, ça fait la concurrence. C'est automatique. Et là, franchement, on aime beaucoup cette émulsion de combattants. On se tire tous vers le haut. Alors Chabane, toi tu avais disparu des radars. Mmh. Où étais-tu passé? Depuis 2018, passé... on ne t'a pas vu dans une cage. Que s'est-il passé? La vie, les enfants, les blessures. Donc je me suis concentré un peu sur ma vie familiale. Ouais. J'ai 2 petites filles, donc je voulais les voir grandir tranquillement, etc. Entre-temps, j'étais en contrat avec le Phoenix. Je devais combattre pour la ceinture au Phoenix. Alors le Phoenix, c'est une ancienne organisation, c'est un peu l'ancêtre de UAE Warrior. Alors ça ne sont pas du tout les mêmes organisateurs, mais en tout cas dans les Émirats Arabes, c'était une organisation. C'était une grosse organisation. Ils ont fait combattre même en Moué, Bouaka, Youssef Bouganem, etc. Du coup, j'étais en contrat avec eux. Je ne savais pas si ça allait reprendre, ça allait pas reprendre. Les propositions qu'on me faisait à côté ne me plaisaient pas plus que ça. Au niveau combattant ou au niveau pécunier? Au niveau pécunier. Du coup, après, j'ai voulu me relancer et je me suis fait oublier des radars, comme tu le dis. Et oui, tu vas vite revenir. Regarde, on voit ton highlight à l'écran. Franchement, c'est spectaculaire. On a hâte de voir ton comeback. Expliqué par Sébastien Love. C'est toi qui porte chance, en fait. Mais voilà. Mais Chabane, j'ai 70% des combats. C'est vrai, HFC en Allemagne, 100% fight. Ah ouais, t'as vécu toute l'histoire de Chabane. Et le combat qui m'a impressionné de Chabane, c'est son. En Allemagne, je le pique au HFC et il met un coup de genou sauté à Christophe Chapuis, Triso. Donc 2 très beaux combattants, 2 mecs que j'apprécie beaucoup. Et c'était vraiment un très très bon souvenir. Mais Chabane, oui, t'as commencé en 2000. 2009, ton premier combat. Ça. Mais c'est ça. C'est vrai que, comme on dit dans le jargon, tu dates. Ouais, je date. Chabane, tu fais pas tes 46 ans, Chabane. Ouais. Non, Chabane. Alors du coup, toi, t'as vécu la légalisation de loin. T'as pas tout de suite combattu après la légalisation. Là, t'es content de revenir dans cette atmosphère. Ouais, en fait. Est-ce qu'on peut comparer un peu cette époque que tu as vécue en tant que pionnier, où on n'avait rien, vraiment rien en tant que combattant, avec cette nouvelle époque? Bien sûr, bien sûr. En fait, avant, on allait dans une petite voiture à 5 serrés, on allait combattre à nos frais, etc. Tonton du Blaydes. Au fin fond, il y a un souvenir qui me marque, c'est on était parti. Je coachais Michaël Lebout justement, juste avant son combat à l'UFC. On était parti en Pologne, au fin fond d'un gymnase, avec des dortoirs, etc. L'organisateur, il nous propose des McDo, tu vois, on savait même pas ce qu'on faisait, tu vois. Ouais, c'est une aventure, en fait. Ouais, là, maintenant, c'est plus cadré. Déjà, maintenant que c'est en France, ça fait plaisir, on combat avec la famille. On a toujours combattu, à part en pancrace, à l'extérieur. C'était pas vraiment du MMA. Voilà, en plus de ça, on a les sponsors qui nous assurent. D'ailleurs, je remercie mes sponsors, Albert Lux, Illico Travaux, Mr Beef, histoire de bien manger après la diète. Bien joué le placement de produits, Chabane. Toujours, toujours. Non, mais il faut les remercier, les sponsors, parce qu'en réalité, ils nous donnent de la force. On se rend pas compte des sacrifices qu'on fait. Énormément. Moi, je vous le dis vraiment, surtout quand on a un foyer, quand on passe de l'étape de célibataire à père de famille, il y a une différence. Ça change tout. Et on voit pas la même chose. Mais on aime tellement ça, on aime tellement le MMA que... Quand j'ai vu déjà le premier événement du MMAGP, je me suis dit, on n'a pas fait tout ça pour rien. On n'a pas fait tout ça pour rien. C'est parti. Ouais. Voilà. Oui, parce que toi, tu as fait partie de cette génération qui a essuyé les plâtres. Tu partais parfois pour rien, j'imagine. Voilà. Ou moi, clairement, j'ai dû faire 7 combats gratuits. Au frais. Au frais d'un sandwich. Ouais. Et aujourd'hui, le fait que ce soit enfin rémunéré à la juste valeur du combattant, en tout cas, on l'espère que ça aille dans cette direction, ça te donne envie justement de continuer d'être étincelant dans la carrière ? Bien évidemment. En plus de ça, j'ai coaché pratiquement tout le monde en France, parce que j'ai été dans les plus grosses écuries, j'ai vraiment coaché tout le monde. Et quand tu vois en France, je me dis, mais... Voilà, je peux faire encore quelque chose. Quand tu fais les sparring, parce que je ne me suis pas vraiment arrêté, je m'entraîne toujours pour le plaisir. Quand tu as arrêté le MMA, tu as combattu en pied-point? J'ai combattu en pied-point, c'est ça. Je voulais me faire un petit kiff, histoire de... Vu que j'avais pas trop de contrats signés, j'ai dit à Abdel Kaznadji, mets-moi sur la carte du Rampage. C'était à domicile, je viens de Vitry-sur-Seine, donc c'était à Vitry-sur-Seine. Et donc, j'ai combattu un champion d'Europe semi-pro en mouais et j'ai testé. C'était pas mal, j'ai gagné. C'est mieux, non? Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il est chiant. Tu sais quoi, le Muay Thai? C'est mieux. Ah, ben, c'était relou avec les coups d'hier. Ah oui, oui. J'ai commencé à congestionner, je me suis dit... Vous êtes incohérent. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, les mecs du Muay, ils sont tellement durs. Parce que je lui ai envoyé des rafales, et je le piquais au corps. Ah, ça, c'est la spécialité. Et ça, justement, j'ai une question. Moi qui ai combattu à l'époque en pancrace, c'était pas MMA, mais on avait les coups au sol, même sans gants, nous, et j'ai combattu en Muay, j'ai eu plus mal en Muay Thai qu'en MMA. Est-ce que toi aussi? Ouais, bah ouais. Parce que moi, le style, comme tu le sais, c'est que je luttais beaucoup, j'emmenais au sol, etc. Mais là, le Muay, comme je disais, il y avait le speaker qui me disait c'était quoi le game plan. Je lui disais bah, je vais combattre au Muay et si ça se corse, ben take down, je disais, tu vois. Mais ça fait mal le Muay Thai, franchement, ouais, gros courage des combattants de Muay, et franchement, c'est tu vois, flemme de combattre. Par contre, tu vois, tu as dit que tu as combattu en pancrase, moi j'avais combattu il y a très très longtemps en Pankido. Ah oui. En Pankido, et franchement, tu avais même les coups de tête au corps, tu vois. Le Golden Bell de Patrick Lombardo. Ça, exact. Ouais. Alors, pour en revenir au sujet, parce que vous vous perdez, monsieur. Oui, à partir du moment où tu parles de Muay Thai, on se perd. Je ne sais pas si tu as remarqué. Donc, tu as compris que tu en avais encore sous le pied parce que tu as vu d'autres partenaires d'entraînement évoluer. Et là, tu t'es dit, OK, it's my time. Voilà. Je devais reprendre là au MMA GP contre Jonathan Hildéral et je me suis blessé à l'intercostal. Entre-temps, je devais reprendre le jour où Ibrahim a combattu, pareil, je me fais les ménisques. Donc, j'ai dû me réparer parce qu'on n'est pas tout jeune. Et, donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc là, te revoilà, enfin. Quels sont vos objectifs tous les deux? Vous souhaitez rester au MMAGP pendant un temps? Vous souhaitez évoluer vers une plus grande organisation? Quels sont vos objectifs? Le but, évidemment, c'est d'avancer. Moi, comme j'ai dit, j'ai une confiance aveugle en Abdel. Il m'a toujours fait confiance. Voilà, c'est lui le fil directeur. Donc, t'es sous contrat avec le MGP? T'as signé pour tant de combats ou là pour le... Non, pour l'instant, c'est au combat. Parce qu'en fait, oui, bah, donc tu t'entraînes au Hobby Fight. Abdel Kaznadji, qui est le président d'Hobby Fight, et qui est aussi le président du MMAGP. Donc, c'est plus ou moins la maison. Voilà. Après, moi, le but, évidemment, c'est d'aller le plus loin possible. Ouais. Mais t'aimerais devenir professionnel, ne vivre que de ça, par exemple? Bah, si je pouvais, s'il y avait l'enveloppe qui allait avec, ouais, clairement. C'est vrai. Clairement. Ben, tu t'es fixé un point de mire, un objectif. Tout le monde se dit ça, mais l'UFC, par exemple. Bah, si l'UFC arrive, oui, j'y vais en courant, ça c'est sûr. C'est un objectif vraiment, tu te dis, il faut que j'y aille, ou alors... Non, justement, non, vraiment, t'as un détachement, en fait. Voilà, c'est vraiment, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de mettre la passion, le plaisir devant. Au premier plan, parce que si je me mets en tête, il faut que j'y aille, le jour où je ne vais pas y aller, je vais être déçu, ça va me... Donc voilà, je fais le maximum et puis j'y vais là où... Et toi, Chabane, alors, quels sont tes rêves aujourd'hui? Est-ce que tu rêves encore du UFC? Parce qu'à l'époque, t'en rêvais, j'imagine. Oui, surtout que j'étais pas loin de passer à l'UFC. C'est vrai? Ouais. Tu étais bien classé? J'étais bien classé à l'époque où j'étais au MMA Factory. Lopez m'avait proposé... l'UFC, sans trop savoir que c'était l'UFC. Et du coup, j'étais trop lourd et du coup, j'ai pas pu le faire. Mais ça, c'est un épisode de ma vie. Moi, je ne rêve pas de l'UFC. Et quand tu refuses, tu sais que c'est l'UFC ou... Ah non, je sais pas. Qui refuse l'UFC? Non, je pensais, en fait, j'étais, je crois, à 6 jours de mon fight. Et à 6 jours de mon fight, à 6 jours d'un événement. On m'a dit, ouais, ça t'intéresse de combattre. Moi, je combats en 66. Ah, c'était un short notice, donc. J'étais à 72 ou 73, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit... non, c'est pas faisable. Ouais. Je lui ai dit, c'est pas faisable, parce que lui, il pouvait pas se griller sur ça. Et je le comprends, parce que voilà, c'est des opportunités. Et on voit comment ça a porté ses fruits maintenant. Ouais. Maintenant, rêver du UFC, je pense que les combattants qui le font se brident. C'est pas forcément la bonne chose à faire. Moi, ce que je veux faire, c'est prendre du plaisir, comme il a dit Ibra, et essayer de passer étape par étape. C'est aussi simple que ça. Franchement, je veux juste kiffer mes combats, monter step by step, jusqu'à ce que la santé me le permette. Ouais. Donc, tu veux aller le plus loin possible. Voilà. Quand tu auras les signaux, ça serait quoi les signaux, du coup? bah, ça viendra tout seul en fait, ça vient tout seul, c'est les organisations qui te contactent. Ouais. Moi, j'ai plus trop les mêmes motivations étant jeune que maintenant. Ouais, voilà, tu vois, c'est normal, tu as revu tes priorités, tu as une famille. Voilà, mais signer avec une grande organisation, finir une carrière. Ouais, le MMAGP est une grande organisation aussi. Bah, regarde, si c'est Cédric Doumbé combat sur l'orga, c'est que derrière ça suit. Moi, j'aimerais aussi, j'aime combattre dans les grosses organisations comme toi par exemple au Bellator, etc. Et voilà, on voit ce qui se présente à nous et on prend, on fait les bons choix. Il me reste pas, il me reste quoi 5 ans, 6 ans. Ah ouais, 5 ans, 6 ans pas, encore 10 ans au moins. Non, toi, 10 ans. À quel âge tu as, Chabane, déjà 34 ans, je suis comme toi. Ouais, allez, on peut tirer jusqu'à 39, 40. Ouais, 39, 40. On se dit 40, on arrêtera tous à 40. Et 44 ans, on se retrouve sur le même plateau. C'est ça. Ok les gars, eh bien écoutez, en tout cas on va suivre tout ça avec attention. Le 17 décembre, le rendez-vous sera pris. N'oubliez pas que ce sera diffusé sur Sport en France. D'ailleurs, voici la bande-annonce. Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission du MMA Grand Prix. Et pour vous procurer votre billet, eh bien, il suffit tout simplement d'aller sur le site mmagp.org. Voilà, on vous attend nombreux. Déjà, beaucoup de places qui ont été vendues, Chabane. Ah ouais, il y en a 3000, je crois. 3000, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, surtout aussi loin de la date. Ouais. Pour ceux qui ne pourront pas y assister, donc, ce sera diffusé sur Sport en France. Et il y aura aussi d'autres événements à suivre dans le MMA français. Regardez le calendrier. Donc, le MMAGP, c'est le 17 décembre, on l'a bien répété. Le même jour, au Brave, Axel Sola affrontera le belgeo-tchétchène Issa Issakov. Tous deux des médaillés IMAF. Ça va être du très très haut niveau. Ensuite, on fera un break pour les fêtes de fin d'année avant de revenir le 14 janvier pour un combat très attendu entre Nassourdine Imavov et Kelvin Gastelum. Et enfin, le 22 janvier, grosse carte Hexagone MMA au Zénith. On en parlera bientôt sur ce plateau, mais c'est un rendez-vous immanquable du MMA français également. Et Seb, il y a une autre... Oui. Il y a le Queen Gloves à Château-Thierry. C'est un événement 100% Muay Thai féminin. C'est la femme de Joe Prestia, Teresa Prestia, qui fait ça. Alors je sais que c'est du MMA ici, mais je tenais à lui dire, moi je speak ça. C'est que des femmes, ça envoie, c'est du Muay Thai. Château-Thierry, 17 décembre, le Queen Gloves. Voilà. Et un événement amateur aussi, qui a été lancé par la FMMAF. Exactement, la MMA League. Donc ça sera le 17 décembre et le 18 décembre. C'est sur 2 jours. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la FMMAF. Alors il faut la licence et son grade vert pour participer. Donc l'avantage de cette compétition, vous pouvez faire 2 combats dans la journée. C'est un système de points. La victoire, on prend des points, mais également la défaite. On ne vient pas pour rien. Donc, l'avantage, c'est que ça va permettre de faire un classement national par catégorie. Donc, on peut aller sur les différentes étapes. Si vous êtes combattant parisien, vous pouvez aller sur une étape à Marseille. Donc, bah, l'idée, c'est de faire un maximum de points pour monter dans le classement. Après, ils prendront un nombre de combattants, je ne sais pas. Et puis, bah, vous pourrez faire partie de l'équipe de France qui ira représenter la France lors des compétitions IMAF. Donc, à ne pas manquer 17 et 18 décembre. De belles perspectives pour les amateurs. Mmh. Également, un jeu concours pour les fêtes de fin d'année. Regardez l'album Panini UFC, donc avis aux grands collectionneurs. Si vous avez des enfants passionnés de MMA ou peut-être un conjoint, une conjointe, n'hésitez pas à participer au jeu concours. Il y a donc 7 albums à gagner et toutes ces pochettes. En tout, il y en a 124 ? Non, 120 cartes. 120 cartes et 24 pochettes. Pour gagner ce package, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, la page de Sport en France. Vous écrivez dans le com, sous le post dédié, je participe au jeu concours, panini.fr. Et il suffit juste de taguer Panini. Et voilà, le tour est joué. On fera un tirage au sort dans les 2 prochaines semaines. Quoi de plus beau qu'un petit cadeau comme ça sous le sapin? Allez, on tente. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et merci à vous, messieurs, de vous être libérés. On sait que là, on est en période de perte de poids, donc bon courage à vous. Merci Seb pour ton sourire habituel et puis on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'actualités du MMA français. Bye bye.